Il n'a pas mis le soleil, Eric, ce matin. Approchez-moi. Je suis dans l'endroit approprié. Qu'est-ce que tu veux faire? Approchez-moi, ils ont tous demandé. Et il a une liste de 3 jours. Franck Torgeman, ma parole, c'est pas le moment de raconter une blague. Ouais. C'est pas une blague, c'est il y a un mec qui a une galère. Ça se voit, ça se voit comment vous êtes. Allez, venez, venez. Allez, Franck, tu es découvert là. Je règle juste un peu. Et voilà. Pour la réfoua chez les mains. Alors, Joël Teila Batodek. Joël Teila Batodek. Lins Noémie Batjuli Frecha. Monique Esther Batodek. Joël Teila Batodek. Non, Joël. Teila Batodek, je sais mieux que toi. Jocelyne Batoraïda. Jocelyne Batoraïda. Victor Ayush Benoden. Maurice Moshe Benoden. Véronique Batoraïda. Véronique Batoraïda. Pour l'enfant, Ilai Itzrak Ben Batelea. Navateila. Bat Shlomi. Yitzhak Ben Avraham. Yitzhak Ben Avraham Colombani. Chez Esther Batzipora. Esther Batrinitsa. Pardon? Penina Bat Esther. Kelly Sarah Bat Penina. Leilou Nishmat. Leilou Nishmat. Ruth Bat Miriam. André Mordechai Ben Rachmon Alidi. Chana Arlet Bat Rachmon Alidi. Moi, je voudrais vous dire une chose. Ce matin, Olivier, viens ici. Viens. Donnez-lui une chaise, mettez-lui une menotte, faites quelque chose. Attrapez-le. Toujours le même. Bah oui. Faites une place à Shmuel. Merci mon chéri. Toda Rabba. Chazak ou Baruch. Bracha v'atzera. Shai, viens ici mon chéri. Viens. Viens t'asseoir un moment. Et j'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Vous savez que vendredi, Shabbat et dimanche, c'est 3 jours où nous faisons un cours de Talmud. Donc ne vous inquiétez pas que pendant ces 3 jours, il n'y a pas de cours. Tout va très bien dans la Géoula. C'est juste qu'on varie les plaisirs. C'est ça, Ariel ? On varie les plaisirs. Alors, il y a certains qui m'ont dit, Eric, il m'a dit, non, vous n'avez pas le droit. Vous devez faire le cours de Gemara et vous devez faire un cours aussi. Il me rajoute du travail. Bon, on va essayer, on va voir. Ezra Tachel. Les Zakot Arabim. Honnêtement, je vous le dis du fond du cœur. Je me pose une vraie question. Est-ce qu'on peut vivre un jour sans parler de Emouna? Moi, je vous dis la vérité, je suis arrivé à une conclusion à mon âge que c'est pratiquement impossible. On a besoin de parler de Emouna et de se renforcer dans la Emouna tous les jours. Elokayam, Lochayar. C'est où tu vas aborder les problèmes de la journée avec la Emouna, où tu vas t'écrouler, parce que tu n'auras pas la force de supporter les épreuves d'aujourd'hui. Où tu seras très fort. Parce que tu as cette émouna, cette foi, qu'Akadosh Baruch Hu est avec toi. Et qu'il y a une hashgara pratique sur toi et qu'Akadosh Baruch Hu est avec toi. Eh, il est avec toi au millième, du centième, du millième de ta vie, il est avec toi. Et il s'occupe de toi. Et il t'aime, que tu sois un tzaddik ou que tu sois un rachat, il t'aime. Tu comprends pas qu'il t'aime? Il t'aime. Et tout ce qu'il va t'envoyer dans la journée, c'est les Tova. C'est pourtant bien. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup d'épreuves dans leur vie. Et ces épreuves les ont élevées. Et il y a eu d'autres que les épreuves les ont détruits. Alors que le but dans ce monde, j'ai dit à quelqu'un hier, tu veux pas d'épreuves? Quitte ce monde. Quitte ce monde et tu seras tranquille. Je te jure, quitte ce monde et tu seras tranquille. Mais ce monde, c'est un monde de travail. C'est les 6 jours du travail. Il y aura le 7e jour, le Shabbat. Après, ça va t'en. Mais c'est le travail. Et tu es obligé de te confronter à ce travail. Et une mala asot, il n'y a rien à faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Torah, elle nous donne dans la parasha de cette semaine les fondamentaux de la Emouna. La Torah, elle nous dit
Les Shamrou béni Israël, et ta Shabbat la Asot. Les enfants d'Israël garderont le Shabbat. La Asot. Les Shamrou béni Israël, et ta Shabbat. Ils garderont le Shabbat. La Asot. Ils le feront. La Asot. En l'observant. Et à Shabbat, le Shabbat, les Dorotam dans leur génération, Berit Olam, une alliance éternelle. Béni ou ben béni Israël, Otil et Olam, c'est une alliance entre moi et les enfants d'Israël perpétuelle. Qui chéchet Yamim Asadona et à Shamaï Betaret, que l'Éternel a fait le ciel et la terre en six jours, ou Vayom Hashemiri, et le septième jour, Shabbat, il a cessé de créer Vaïnafash. Et il s'est reposé. On le dit, nous, dans le Kiddush. Mais moi, je pense qu'il faudrait qu'on le vive un peu, ce Shabbat. S'il y a un jour où vous allez puiser votre Emouna, la force pour toute la semaine, c'est dans Shabbat. J'ai l'impression, Eric, tu me diras si je me trompe peut-être. Tu sais que des fois, je suis un peu excessif. Parce que tous les passionnés sont excessifs. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, ce Shabbat est devenu un moment de galère. Et je voudrais redresser un peu l'esprit des gens et des personnes, des hommes et des femmes qui vont nous écouter aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est Shabbat? Mais maître, moi c'est Shabbat. Vous allez voir, on va découvrir des choses, que la Parnassa, tout va se décider ce jour de Shabbat. Azelo Pashut, c'est très important. J'accueille d'abord nos amis sur les réseaux sociaux. Que la bracha de Aaron, je suis Cohen. Que la bracha de Aaron à Cohen soit sur vous, mesdames et messieurs. Amen. Sur vos enfants. Que votre vie soit agréable dans ce monde. Et que notre passage dans ce monde en arrive simplement à éclairer par notre lumière, par notre présence, la présence divine dans ce monde. C'est ça l'essentiel. Betsem Shvitato. Il y a un vrai problème, il te dit. Au moment où tu t'arrêtes pendant Shabbat de travailler, Niskar Yehudi, je cite quand même le nom du Rav, c'est le Rav Yirachmi El Kram, Zecher Tzadik, Kadosh Livracha, il dit la chose suivante. Yirachmi El Kram, un des plus grands qui a rendu Mitshuva en Israël des centaines de milliers de personnes. Il dit la chose suivante. Il dit, au moment où c'est que je m'arrête moi de travailler pendant le Shabbat, je me souviens, Niskar Yehudi, le juif se souvient, qui gam Hashem, que même Dieu, au moment où il a créé le monde pendant six jours, il s'est reposé, entre guillemets, il a arrêté, il a cessé le travail le septième jour. Bekar, avec cette idée que je me suis arrêté moi, Koveya Ayoudi Benafsho. Écoutez bien les mots. Je vais ancrer à l'intérieur de mon âme. Et mon ato. Je vais ancrer ma foi. Elle va se renforcer ce jour du Shabbat. De quoi? J'arrête de travailler comme mon Dieu, lui, s'est arrêté. Au moment de la création du monde, le septième jour. Et je vais ancrer à l'intérieur de mon cœur qu'il y a un Manhig Labira. Il y a un patron. Il y a un patron. Il y a quelqu'un qui a créé ce monde. Je crois que c'est le langage du Maïmonide. Et c'est lui qui a fait, c'est lui qui fait, et c'est lui qui fera tout ce qui se passera dans le monde. En m'arrêtant le Shabbat, déjà la première chose, je m'arrête le Shabbat. En m'arrêtant le Shabbat, tu sais, pour nous, la connotation du mot Shabbat est devenue un moment d'angoisse. Pour beaucoup de personnes. Et moi, je voudrais vous dire que on a tout à gagner dans ce Shabbat. On n'a rien à perdre. Et vous allez le voir. Il suffit simplement d'avoir la vraie vision de ce qu'est-ce que c'est le Shabbat. Zoï ikar tachlita shel Shabbat. Le Shabbat, c'est pour t'amener à une idée qui va rentrer à l'intérieur de ton cœur. Quand je vois qu'il nous envoie, regarde, ça veut dire que l'endroit il est bon. Regarde, des oiseaux se posent ici. Regarde, c'est un endroit qui est bon.
sinon les oiseaux ils viennent pas. Tu sais qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara dit que le pigeon, il a une faculté de sentir si le manger qu'il va prendre vient d'une personne avare ou non. Si c'est d'une personne avare, elle touchera pas. Alors regarde, il est en train de manger. Apparemment, les chouquettes de ce matin, ça a été offert par quelqu'un qui avait un bon cœur. Regarde, la preuve, c'est qu'elle est en train de manger des miettes. Et là, il te dit, Ahmeidar Gissa, Etsem Asharato Shel Adam, Lelokol Melacha. Le seul problème qui va se poser, c'est qu'au moment où tu vas te retrouver, mesdames et messieurs, partagez-moi ce cours, parce que vous allez voir où je vais arriver. Le fait de rester sans travailler, alors que je me suis habitué pendant 6 jours de travailler, d'être occupé. Yeshba Mishum Sikun, Lenacho Velenishmato. On rentre en danger le jour du Shabbat. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent en danger le jour du Shabbat. Toute la semaine, on est occupé. Cette occupation fait qu'on a le temps. On n'a pas le temps de faire autre chose. On est occupé, on travaille, à part Nassa. Voilà, sauf. Mais Shabbat, c'est le jour le plus critique de la semaine. Yeshba Mishum Sikun. Il dit, écoutez bien ce que je vous dis. Il y a un danger pour l'âme de la personne. Pourquoi? Parce que la oisiveté, Shabbat, on t'a demandé de ne pas travailler. Oui, mais ça va m'amener à être oisive, à ne rien faire. On sait que la oisiveté amène à la faute. Alors il y a un vrai problème. Comment est-ce qu'on gère notre Shabbat? La question qui va se poser ce matin, c'est comment mon Shabbat est fait. Et vous allez voir les conséquences. Oui, parce que tu vas me dire, ben je m'en fiche, je le fais comme je le fais. Mais on va voir les conséquences. Yom HaShabbat et Nostam Yom Shemenucha, les Batala. C'est surtout pas, écoutez-moi bien, parce que moi il y a des gens qui me disent, moi vous savez, je suis crevé. Shabbat, je suis crevé. Moi je voudrais lui dire, si on t'avait autorisé à travailler Shabbat, tu serais parti travailler Shabbat. C'est pas vrai. Non, tu n'es pas crevé. Tu deviens crevé parce que tu fais rien. Mais si tu faisais autre chose qui remplissait ton Shabbat, tu ne serais pas crevé. Je répète, si on vous avait autorisé à travailler 7 jours sur 7, vous aurez travaillé 7 jours. On aurait travaillé 7 jours sur 7. Surtout le samedi. Le samedi, c'est une bonne journée. Les gens, ils sont libres. C'est le moment de vendre, c'est le moment de faire coiffeur, c'est le moment de faire ça, c'est le moment de vendre, c'est le moment de faire, au contraire. Tu l'aurais fait. Je te jure que tu l'aurais fait 7 jours sur 7. Il n'y a aucun problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne fait rien, on nous a interdit. En nous interdisant, on nous a mis dans un danger. Qui s'appelle celui de quoi? L'embrouille. L'embrouille. Ah bon, je vois les têtes arriver. Hein. Ah bon, je vois les têtes arriver Shabbat. Je sais qu'il y a eu une embrouille. Et puis il y a certains qui disparaissent après la prière du matin et puis on ne les retrouve plus. Souvent on les retrouve seulement le mardi, lundi ou mardi. Parce qu'entre temps, le Shabbat s'est terminé tellement mal qu'il faut 2 ou 3 jours pour récupérer avant de revenir. Je m'entends un peu le concept. Ils appellent ça Shabbat. Et les mecs, ils vont faire Shabbat. Et ils vont acheter et ils vont faire Shabbat. Et Shabbat, ça devient un moment dangereux d'embrouille. Et puis mardi, ils réapparaissent. Tant bien que mal. Pour se repréparer pour le Shabbat et l'embrouille à venir du Shabbat. Je suis désolé de vous dire, c'est ce que je vois autour de moi. Yom HaShabbat et non stam yom shemenucha ou batala. C'est pas un jour où on fait rien du tout, où il est oisive. Yom zemeshamesh kayom shelit panut la isuk beruchaniut. Il y a un jour dans la semaine où tu peux remplir, on va le voir, tes batteries morales. Tes batteries spirituelles, tes batteries. On est obligé d'avoir des batteries. Tu sais bien qu'il y a des gens qui te disent j'ai plus la force de rien faire. Je suis foutu, j'ai plus la force de rien faire. C'est-à-dire qu'il a ses batteries qui sont vides. C'est pas qu'il mange pas, il mange. Tu vas lui dire alors mange des trucs vitaminés. Il va te dire c'est pas. Ça n'a rien à voir avec des trucs vitaminés, mes batteries sont vides. Beyomze, mitnatek ayoudi merolamo agashmi. Là, tu te sépares de ton monde matériel. Et on va le voir. Que n'importe quel juif, n'importe, il y a une lumière dans son visage le jour du Shabbat. Il se rapproche. C'est ça qui est très dur. On se rapproche de la racine de notre âme.
C'est ce qui fait qu'il y a certains qui me disent ça nous fout l'angoisse, le Shabbat. Le Shabbat en est angoissé. Parce que tu vas toucher quelque chose de très très profond. La racine de ton âme. Et le Ramban, le Nachmanide nous dit, Veta'am le Kadesho. Afin de le sanctifier, il est écrit dans la Torah. Il faut aborder ce jour. Comment tu abordes Kippour? Grand pardon. Il faut que tu abordes Shabbat comme un jour de Kippour. Vata'am est la raison. Je vais m'arrêter de travailler parce que c'est un jour qui est saint. Et que je vais arrêter mon cerveau de penser sur ma vie matérielle, comment je vais faire vivre mon corps. Toute la semaine, c'est comment je vais faire vivre mon corps, celui de ma femme, celui de mes enfants, la parnassa, comment je vais faire, je l'arrête. Vais la tête bornée de l'énaf chez nous. Et je vais commencer à remplir mon âme. Bedark Hashem. Comment? La lechet à la chachamim. D'aller dans une synagogue où il y a des rabbanim. Ouais. Non. Non. D'aller dans une synagogue où il y a des kidouches. Oui, rabbanim. Il y a un foutre l'angoisse, le rab. Rabbanim! Tu viens Shabbat ici? Qu'est-ce qu'on fait, Eric, Shabbat ici? Sougia de Gomara, on est en train d'étudier, on se régale. On remplit notre âme. Parce que tu es obligé de remplir tes batteries. Parce qu'il faut une journée pour remplir tes batteries. Un balance. Les batteries de ton âme. Comme je ne voudrais pas prendre beaucoup de votre temps parce qu'il est déjà tard, je voudrais juste vous dire quelques petites choses. Il faut savoir que le temps dans lequel on gravit tout au long de l'année, il y a à l'intérieur de ça un grand projet. De voir la providence divine à travers les moments, les temps qu'on passe dans notre vie, les étapes de notre vie, de l'année, le calendrier de l'année. Tu sais, tu dis Adar. Adar, c'est quoi? Tu sais que tu auras du mazal. T'as compris? Adar. Nissan, tu sais qu'il y aura des grandes libérations qui vont arriver. Elul, c'est le moment de la Teshuvah. On est d'accord. Donc ça veut dire que l'homme, il est lui le pivot central et tout autour de lui passent les périodes qui influent sur lui. Eh oui. Et lui le pivot central. Oui. Apasouk, il dit regardez le verset qui dit Baïchoulou Hashamaim Veharetz Vechol Tsebaam. Qui c'est qui peut me traduire c'est quoi Baïchoulou Hashamaim Veharetz Vechol Tsebaam? Baïchoulou, ils se sont terminés, hein, apparemment. Le mot Baïchoulou. Ça vient du mot, je ne sais pas de quel mot, mais ça vient du mot, c'est-à-dire terminé. Ont été terminés le travail du monde, du ciel et de la terre à la fin de la création au sixième jour. Modirenu, Shebetom, Sheshetime Abria, pour nous dire que la création s'est terminée en six jours. Amalachim, Varolamot, Aïlionim, les anges et tous les mondes supérieurs. Vekola Shervaret, Samurkav, Marba, Yesodot. Et que tout ce qui provient de la terre, qui a été fait des quatre matières de la terre, le feu, l'air, etc., tout a été fini. C'est ça, Vaïchoulou. Vaïchoulou, ça veut dire que Dieu avait terminé. Omnam, Besfarim Akdoshim Evoa, nos sages, ils amènent. Shemilat Vaïchoulou, que le mot de Vaïchoulou, Igam Milachon Kisoufine, ça vient du mot, Vaïchoulou vient du mot Kisoufine, se languir. Comme tu dis, comme il dit David Améler dans Teilim, Nirsefa Vegam Kalta. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Les mondes, le ciel, la terre se sont mis à se languir. Vaïchoulou, quand tu dis Vaïchoulou, pense à ça. Le ciel et la terre se sont languis. Languis de quoi? Aïnou Shibetom Aase Abria, qu'à la fin de la création, Hashamaim Varetz Nirsefu Vechalou Leyotzam, le ciel et la terre. La création s'est terminée, ils ont commencé à se languir de leur créateur. Mishum shikol davar babriya nimshach venirsaf les chorchos. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans l'humanité.
que chaque créature et création se languit de son créateur. Nous, on languit qui ? On languit qui, nous ? Nos parents ! Ils nous ont créés, on languit nos parents. On languit nos parents. Oui. Le ciel et la terre se sont mis à se languir de Dieu. Il les a créés. Zohat asibot et teknu chachamim, lomar pasuk zebelel shabbat. Vaïchoula shamaim veharet zvechol tseva. Qu'est-ce que tu as à faire? Qu'est-ce que tu as à dire? Ki beyadoua, yom ha shabbat. Ou yom aliyat kol ha'olamot le ma'ala mi madrigatan. Le jour du Shabbat, le monde s'élève. Le monde s'élève. Le jour du Shabbat, que vous le voulez ou non, le monde s'élève. Il devient spirituel. Ok, dès l'horaire, gambano takisufin va achetok écoute. Et pour réveiller en nous, le juif, le pauvre, toute la semaine il a travaillé. Toute la semaine il a travaillé. Il est comme un mort. Il n'en peut plus. Il a pensé à rien toute la semaine, qu'à la parnassa. Et là, au moment où c'est qu'il va faire Vaïchoulou, il te dit, Tiknou la Noulomar, Bekinisat Shabbat, la chambre Vaïchoulou. Vaïchoulou, c'est pas le ciel et la terre ont été terminés. Ça veut rien dire. Tsrim Ishtadel Iskorinyanze. Au moment de la rentrée de Shabbat, de penser à ça. Quand vous faites Kiddush. C'est une très grande ségoula. Chez Kaet, qu'est-ce qu'il y a? Au moment où tu fais le kiddush, tu vas dire Vaïchoulou, pense à ça. Que tous les mondes, toutes les planètes du monde, les anges, tous, sont en train de se languir de Dieu. Ils ont envie de s'approcher de lui. Ils ont envie de se rapprocher de leur créateur, de celui qui les a créés. Ve'imi orer adam ki soufa vigargoa velaboré. Et si l'homme, il réveille. J'ai envie de Akadosh Baruch Hu Nirsefa Vegam Kalta Nafshi La Hatzot. Mon âme, elle a envie d'être avec toi. Je te languis, Akadosh Baruch Hu. Ya'ale Imahem Gamken. C'est ce qui va se passer à ce moment-là. Tu vas monter, toi aussi. Si tu penses à ça, au moment où tu dis Vaïchoulou, Dieu, comme tous les mondes, comme l'humanité entière, elle se languit de toi. Et ce soir, elle a envie de se rapprocher de toi. Moi aussi, j'ai envie. À ce moment-là, quand tu prends ton verre de vin, c'est ça la kavana qu'il faut avoir. Tu entends, c'est ça la pensée qu'il faut avoir. Vechel mesaprima al Rabbi Nachman. On raconte ce Rabbi Nachman de Breslev, Shai, chez Koden ki Akidush, avant le Kidush. Écoutez, Kshirotse haya la trim tevarishona chez la Kidush, quand il voulait commencer le premier mot de Vaïchoulou, du Kidush, Nidma haya lo shetetenafshu mirov kisufim. On avait l'impression que son âme était sur le point de sortir, tellement qu'il se languissait de son créateur. Qui c'est Ousmane, mais en de mes sougal, les Aïnianzé. C'est un temps très court, mais intense, où la personne peut sentir son âme se rapprocher. Tu sais ce que ça veut dire quand tu sens que ton âme se rapproche de Dieu? Comment c'est beau? Tu n'as plus peur de rien. Tu as des angoisses? Tu n'as plus aucune angoisse. Et tu t'es rapproché de lui, tu es avec lui. Tu es avec ton créateur. Ton créateur, il te veut du mal. Ton créateur, il va te punir. Et tu as besoin de lui. Et là, tu dis, Hachem, c'est ce moment-là que j'ai envie d'être avec toi. J'ai envie d'être avec toi. Tu sais, c'est des petits moments qui ressemblent au Olam Haba, où c'est que l'âme, elle va monter après 120 ans. Elle sort de notre corps et elle va monter. Et elle voudra se rapprocher le plus possible de Dieu. Et à travers tout ce qu'elle a fait dans ce monde, elle aura la capacité de se rapprocher de lui. À travers l'étude de la Torah, à travers le Kaddish que ses enfants feront pour elle, elle aura la capacité de monter et de se rapprocher de Dieu. C'est ce moment qu'on est en train de vivre tous les vendredis soirs. Au Behemet, Efshar Vitzarich Risof, Ulit Gargi Abechol Yom. On te dit en vérité, il faut essayer de se languir de Dieu tous les jours. Vezoya et Sakala Kova Lechol Adam. Et en fait, c'est un conseil qui est très facile pour chaque être humain. Pashut l'idgargia la boré olam, que benamit gargia la vive. Essayez de temps en temps, même dans votre voiture, de vous languir, de dire Akadosh Baruch Hu, j'aurais voulu me rapprocher de toi, Dieu. J'aurais voulu être proche de toi. J'aurais voulu sentir ta bonté. J'aurais voulu que tu me montres que tu es avec moi. Hachem, sois avec moi. Montre-moi que tu es avec moi. Ki aratson olemar alam ehakol. On l'avait déjà dit. Parce que la volonté, elle est libre. Tu peux avoir des travers dans ta vie.
Tu peux avoir un Yetzirara. Tu peux être prisonnier d'un Yetzirara. Mais ta pensée ne peut pas être prisonnière de rien du tout. Au moins, Hachem, j'ai envie d'être avec toi. J'ai envie de te sentir. J'ai envie de... J'ai envie que tu m'aides. J'ai envie que quand je t'appelle, tu me réponds. J'ai envie d'avoir une relation avec toi dans ce monde. J'ai envie de ça, Hachem. Parce que j'ai l'impression d'être seul. J'ai l'impression que je suis seul dans mon malheur. Je suis seul dans mes problèmes. Je suis seul dans mes épreuves de ma vie. C'est parce que moi, Dieu, moi, Hachem, moi, être humain, je me suis éloigné de toi. Mais là, j'ai envie de me rapprocher de toi. Il te dit, Avodazo, ce travail-là, de se languir de Dieu tous les jours, quand tu mets tes tefilines, tu mets ton talit, et tu dis, Hachem, je vais passer un moment avec toi. J'ai envie d'être bien avec toi. J'ai envie de te sentir. J'ai envie, Hachem, de te servir dans ce monde. Et que toi, tu me gratifies de tout ce que j'ai besoin dans ce monde. Il te dit, ça s'appelle Shabbat. Traduction, il te dit la chose suivante. Que celui qui arrive à cette relation avec Hachem, il peut sentir le Shabbat même dans le Chol. L'influence du Shabbat, tu l'avais dit toi-même. L'influence, tu sais quoi, à travers cette idée que Shabbat est un jour de méditation, d'élévation, de changement total de la vie. Et moi, des fois, j'ai envie de pleurer quand je vois des gens que le Shabbat, pour eux, c'est horrible. Horrible. Des fois, j'étais dans des Shabbats, dans des endroits où c'est qu'il y a du monde, dans des hôtels, et je vois les tensions, je vois que la guerre, elle s'est pas arrêtée Shabbat. Il n'y a pas de repos. Le stress, il est le même. Moi, Shabbat, j'arrête de parler. Je te dis la vérité, j'arrête de parler. Chez moi, à la maison, j'arrête de parler. Je suis bien. Comme ça, avec Hachem. Un petit moment dans ma vie, quoi, cette vie de chien. On ne peut pas être un petit moment dans notre vie avec Hachem. Un petit moment avec Hachem. C'est la clé, alors, faut se taire. Hein? C'est la clé. C'est vrai, dès qu'on parle, c'est la guerre. On est là pour recevoir Hachem, c'est Satan qui vient. Tu sais quoi? Mais justement, tu es en train de dire un concept. Shabbat, je ne peux pas me conduire comme la semaine. Effectivement. C'est justement ça le concept. Shabbat, je ne peux pas me conduire comme la semaine. Endavar kazé. Et il te dit. À Shabbat, il shoresh, vie saute kola emuna. Je saute plein de choses qu'il dit parce qu'il y a trop. C'est là. Écoute-moi bien. Tu vas avoir pour la semaine la foi qui va te permettre d'être fort dans la semaine pour aborder les épreuves de la semaine. Ils vont arriver les épreuves. Hein. Et comme il a dit Eric ce Shabbat, il y a des fois des personnes que quand ils ont une épreuve, qui leur tombe dessus un coup de téléphone, un machin, ils arrêtent de respirer. Ce coup de rasra, si on ne le gère pas, il a dit Eric, si on ne le gère pas, c'est le début des grandes maladies. C'est le début des grandes maladies. Achetez dans la crème. Ce stress-là, quand il arrive. Moi, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, vivre sans Emouna, mais c'est un luxe. C'est impossible. C'est impossible. C'est une folie. C'est une folie. Je disais hier à mon fils, on discutait au téléphone, il était minuit. Et je dis à mon fils que le livre du Gana Emouna du Rav Arouche, je le termine presque une fois par semaine. Et je le recommence. Et que je suis désolé que pendant des années, j'ai pas vécu la Emouna. Je l'ai appris, mais je ne l'ai pas vécu. Et colère, angoisse, rancœur, stress. Tout. J'ai perdu une partie de ma vie parce que j'ai pas vécu la Emouna. J'ai parlé de Emouna, mais je ne l'ai pas vécu. Aujourd'hui, je pense qu'un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, je la vis. Je la vis. Elle m'a changé ma vie. À tous les points. Vous voyez bien comment je rentre le matin, comment je suis content tous les matins. Mon an, comment c'est le matin? C'est le feu tous les matins, c'est le baladin, on est là, on est dans la joie. Comment tu es dans la joie? Comment tu es d'un malade? Comment tu es dans la joie? Il y a ça qui va pas, t'es un malade. Qu'est-ce que t'as fait pour être dans la joie? Qu'est-ce que t'as pris comme. Ah ouais. Il est avec moi, il me protège, et tout ce que moi-même je vais croire que c'est pas bien, c'est les Tova. Ma parnassa, m'en fiche, c'est lui. Ma santé, je m'en fiche. J'ai hypochondriaque, c'est lui. Tout c'est lui.
Tout c'est lui. Tout c'est lui. Tout, 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 tout. Tout. À partir de là. Et pour le bien. Et pour le bien. Et pour le bien. Non. Pour le bien. Ta vie, elle change. Vous pouvez mettre un choum d'avant. Il te dit, le seul jour que tu peux puiser vraiment cette émouna, c'est dans le jour du Shabbat, qui est ma Shabbat, où il y a une flamme et ode. Parce que c'est un jour que lui-même, le monde s'élève. Donc tu as des grandes facilités de capter cette émouna, que tu ne peux pas la capter dans la semaine, parce que tu es très occupé. Et c'est un moment où il te dit, mais il regarde, mais il regarde, mais il regarde, le monde s'arrête. Qu'est-ce qui se passe quand le monde s'arrête? On commence à réfléchir. Ma tahlit, mikola ta'avot shiyesh la'olam hazeh latzia. Allez. Toute la semaine, j'ai couru pour assouvir des envies. Ça va me servir à quoi? On commence à réfléchir. Est-ce que notre but dans ce monde, c'est de ramasser de l'argent et des honneurs? Encore une fois, si au moins cet argent, on nous la mettait avec nous dans notre tombe. Le mec, il prend son fric. Il a 10 milliards, il les prend avec lui. Je sais pas. Et il les garde, il veut les garder. Mais il a travaillé une vie entière pour ça. C'est à lui. On devrait l'enterrer avec tout son argent. Et des carnets de chèques, et des cartes bleues, tout. C'est à lui. Il a bossé ou il n'a pas bossé? Il a bossé. Au schéma, ou bien Bémet, on avait un autre but dans ce monde. C'est ce plaisir intense que peut avoir l'âme dans un corps humain de sentir Dieu, de son vivant. Ça dépasse tous les plaisirs. Ça dépasse tous les plaisirs. Rien. On a fait hier la soukia de Gemara. C'était pas du miel. Comment on était? Un bonheur. Un bonheur de quoi? On était en train d'étudier la Torah hier à la Gemara. Un bonheur. Tu sais d'où tu sens ce bonheur-là? C'est ton âme. C'est ton âme qui se nourrit à travers la Torah, qui est en train de... Elle se délecte. Et elle te fait passer à ton cerveau que tu as un plaisir, tu ne sais pas d'où il provient. La reine, si tu as allé dans la Torah, l'ishbot ma Shabbat, mishum shidi azo shotanu mekablim yom Shabbat. Voilà pourquoi le Shabbat il est venu. Tu t'arrêtes. Et tu commences à faire un vrai travail pendant tout ce Shabbat de Emouna. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Hachem, il est avec toi. Ne t'inquiète pas, ma fille. Akadash Baruch Hu, il est avec toi. Il s'occupe de toi. Le monde s'est élevé. Vas-y. Élève-toi pendant ce jour-là. Et tu vas sentir des choses exceptionnelles qui vont te donner une force pour la semaine. Yesodze. Shaparnasan, Yishichet, l'Adam. Kefia Emouna, va habitachon, Shish. L'Obachem, Itbarach. Nous savons que la parnassa dépend de la confiance que nous avons en Dieu. Il n'y a rien à faire. Il est écrit dans le verset « Enekol Elecha » les yeux de tous, ils sont vers toi. « Yesaberu » ils sont vers toi parce qu'ils ont besoin de manger. « Vata noten lehem et tochlan be'ito » et toi tu vas leur donner à manger ce qu'ils ont besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu demande de nous cet émouna. Arrêtez de travailler le jour du Shabbat. Pas ouvrir ses mails. Pas envoyer des commandes. Mais c'est contre-productif. Je travaille pas Shabbat. T'es fou? Mais t'es fou? Le Shabbat, tu travailles pas? C'est le meilleur jour de la semaine. Elle dit non masqué. Pourquoi t'es non masqué? Pourquoi tu n'acceptes pas? Parce que je sais que ma parnassa et ma bracha viennent d'Hachem. Yesoda Emouna, c'est le Shabbat. Et
je terminerai juste par cette chose-là. Béhémet. Si notre semaine n'est pas bonne, c'est parce que notre Shabbat n'était pas bon. Et Dafka, le Satan, il va rentrer le Shabbat à la maison. Par toutes les portes. Je vais dire un mot. Ça va commencer une embrouille. Et le Shabbat, il était fait pour que tu t'élèves, toi, ta femme. Tu élèves tes enfants à travers des paroles de Torah. Une maison où il n'y a pas de zmirot, de Shabbat. De chants de Shabbat. Pourquoi les chants de Shabbat? Pourquoi? Ces chansons-là font... Je vais te dire un truc. Quand tu te trouves dans un endroit où tu n'as pas l'habitude d'être, tu sens que ton être, il est en éveil. Parce que c'est un nouvel endroit que tu n'as jamais été. Quand tu commences à chanter des chansons Shabbat, même seul, ta neshama, elle se réveille. Et elle ressent des choses qu'elle ne peut pas ressentir dans la semaine. Tu as des enfants. Le Shabbat, Kodesh, a été notre vie. Il s'est passé malheureusement que la galoute, l'exil a fait de nous que pour une partie de notre communauté, ne pas faire Shabbat est normal. Est normal. Parce que de père en fils, on ne faisait pas Shabbat. Il y a Baruch Hashem aujourd'hui une grande teshuva de beaucoup de personnes qui ont changé leur vie. Moi j'ai vu des personnes qui à 40 ans, ils ont commencé à faire Shabbat. Et que quelques mois après, ils m'ont dit, mais on ne peut même plus concevoir notre vie sans le Shabbat. Mais ce n'est pas possible. Mais par contre, une chose, ils ont vraiment aménagé le Shabbat. Alors, je comprends que tu sois crevé. Mais tu sais ce que tu devrais dire au Yetzer Hara? S'il n'y avait pas eu de Shabbat, tu aurais travaillé Shabbat. Tu sais pourquoi tu es crevé? Tu es crevé parce que, au fait, ton esprit qui était celui de la Parnassa va s'arrêter. Si ton âme prenait le relais, tu aurais eu de la force. Mais ton âme, elle ne prend pas le relais. C'est pour ça que tu es crevé. Ton âme, je dois lui donner à manger à mon âme. Il faut que je donne à manger à l'âme de ma femme. Il faut que je donne à manger à l'âme de mes enfants. Parce que si mes enfants, ils font pas Shabbat, parce que si mes enfants, ils ressentent pas qu'est-ce que c'est Shabbat, ils le feront pas. Et le Shabbat, c'est la seule alliance que nous avons avec Dieu. Qui ôte où? C'est une alliance bénie ou ben béné Israël. Entre moi et les enfants d'Israël. Quand je descends ici le matin, Shabbat, et je vois toutes ces pauvres personnes qui font pas Shabbat. Combien j'ai mal au cœur. Ils goûteront pas quelque chose de spirituel. Même les goïms, même les nations savent aujourd'hui que l'âme a besoin d'être nourrie, sinon elle est malade. Alors ils ont inventé les méditations, ils ont inventé les respirations, ils ont inventé... Mais tout ça, c'est le concept de Shabbat que la Torah nous avait donné depuis tout le temps. Mais tu sais quoi? Tu rentres vendredi soir. Il faut que vendredi soir tu rentres, tu dis. Tu sais pourquoi tu t'énerves vendredi soir? Parce que tu n'es pas connecté avec Hachem. Si tu te connectais avec Hachem en disant Hachem, à partir de maintenant, c'est mon âme qui va manger. Il n'y a plus rien qui t'énerve. Et tu rentres à la maison le vendredi soir. Et tu remercies ton épouse du Shabbat. Tu bénis tes enfants parce qu'il y a une grande ségoula de bénir ses enfants après le kiddush, certains avant le kiddush. Et il y en a qui font après le kiddush, après le kiddush. Il y en a qui font après le kiddush, il y en a qui font avant le kiddush. Zelom Echane, tu rentres à la maison, la Gemara dit, il y a deux anges qui rentrent avec toi. C'est le mot de la Gemara, deux anges. Et c'est pour ça que tu vas dire, Shalom Alechem. Paix à vous,
Malaché Acharet, Malaché Elion, Malaché Rahamim, les anges qui sont venus dans cette maison. Et la Gemara dit, si le Shabbat il se passe bien, les anges ils bénissent et ils disent que toute la semaine sera bonne. Après il y a le Yetzer Hara. Parce que plus le Shabbat il est fort, plus il y a le Yetzer Hara. L'alcool, dans la semaine, bon, on boit un petit coup. Tout à l'heure j'avais mal à la gorge, j'ai pris une goutte de pastis. Parce que j'avais mal à la gorge. On n'est pas attiré par l'alcool dans la semaine. Shabbat. Aïe, Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a? Shabbat, le Yetzer Hara de l'alcool. Prends une goutte, prends une goutte, fais-toi un petit kiff. Prends une goutte. Verser le verre. En sachant que ce n'est pas une question de verser le verre. C'est les conséquences qui vont venir. Après, t'as bousillé ton Shabbat, t'as bousillé le Shabbat de tes enfants. Et je rappelle tout le temps, les mauvais Shabbats ont donné des enfants qui ne feront plus Shabbat. Les mauvais Shabbats ont donné des enfants qui ne feront plus Shabbat. Et tu veux que je te dise la vérité? Quand moi je vois des fois des enfants qui me disent « J'ai vécu l'horreur pendant les Shabbats, je ne peux pas faire Shabbat. » J'ai rien quoi lui dire. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise quand c'est à l'intérieur de lui que le Shabbat est devenu un nuage noir? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Alors que dans le Shabbat, tu prépares la parnassa de la semaine, la émouna de la semaine. Tout est dans ce Shabbat, tout est dans ce Shabbat. Tout est dans ce Shabbat. Qu'on a besoin dans la refoua chez les mains. Shabbat, il me dit, ou refoua, crova la vôtre. Dans ça, j'ai dit que la refoua chez les mains de la semaine, elle vient le jour du Shabbat. Alors, c'est soit tu arrêtes le travail et tu tombes, comme il a dit le Rav, dans une catastrophe parce que tu ne fais plus rien. Soit tu te dis, c'est une journée où je dois donner, nourrir mon âme et celle de ma famille avec la Emouna, parce qu'elle est facile, la Emouna de Shabbat, parce que tout est arrêté, parce que tu vas t'élever, parce que tu pourras grandir à travers ça. Oui, c'est dur. C'est dur. C'est dur parce qu'on n'a pas la volonté. Si on avait la volonté, c'est pas dur. Même si on fume la semaine et qu'on fume pas Shabbat. Mais cette joie de Shabbat qui devrait te dire, je suis en train de préparer toute la semaine à venir. Je la prépare la semaine à venir. Elle devrait te mettre dans un challenge extraordinaire. C'est de passer Shabbat avec beaucoup de sainteté, beaucoup de kdoucha, beaucoup de joie. C'est un moment où on est avec les enfants. C'est le seul moment. C'est le seul moment où on est avec les enfants. En tant que parent, qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants ce jour-là? Qu'est-ce qu'on va leur transmettre ce jour-là? Mais, qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants ce jour-là? Shabbat, c'est le seul jour, oui ou non? C'est le seul jour. Tu sais bien que tes enfants, ils ne te regardent pas dans la semaine, ils sont avec leur iPhone. Tu le sais bien. Donc il te reste un seul jour, c'est celui de Shabbat. Et qu'est-ce que tu fais ce jour-là? Où tu es ce jour-là? Où tu es? Hein, monsieur le rabbin, je suis crevé. Tu sais pourquoi tu es crevé? Parce que tu n'as pas compris c'était quoi ce jour-là. Si tu avais compris c'était quoi ce jour-là, tu aurais trouvé la force ce jour-là. Tu aurais bu moins d'alcool. Tu aurais été beaucoup plus calme. Tu aurais aménagé le Shabbat. Tu sais pourquoi? Pour une idée. Si tu veux que tes enfants aussi gardent le Shabbat. Ou ça ne t'intéresse pas, tu t'en fiches complètement. Que tes enfants demain soient tous des Michal et les Shabbat et qu'ils ne fassent rien. C'est ça la vraie réflexion de qu'est-ce que c'est Shabbat. Toute la Emouna de la semaine, vous allez la puiser dans ce jour-là. Bracha v'atzlacha, amen, keni ratzon. Rabbi Hanani ben Akasha, amen, ratzon, amen, shvachol, lezakot et Yisrael. Lefichach nebalem Torah, mitzvot, shenemar, adonai chafetz, lema'a, tzidko, yagdil Torah, ve'yadir. Yadal ve'yadkada, shemer abba. Amen. Alma, libera, keote, v'yamlich, v'hote, v'yatzma, v'kaneh, mikareh, mishichel. Amen. V'chayechol, v'mechol, v'chayechol, v'yitzhael, v'agala, v'zman Amen.
מקודם מריש ויה ורב אמרו אמן. יש על המרבה משמיה, חיים וצבא, נישוע ונחמה, שזבה, פועה וגאולה וסליחה ורפרה ורבע הצלה. אנו חלמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום יובב וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. אמן. חזק וברוך, תודה רבה, מדרזי מסיום ברכה והצלחה בעזרת השם. Dans tout ce que vous faites, amen, qu'elle y ratson.